Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Melo Kimiko et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Movie Star Planet. Pour une vidéo explicative de ce que je ressens sur Movie Star Planet maintenant en 2022, on va rester, voilà, on est en 2022, on reste en 2022. Donc je vais vous dire tout mon avis sur ce jeu depuis que j'y joue à maintenant. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de changements et beaucoup de choses qui me dérangent, mais que je reste là et que je suis toujours vivante. Parce que du coup, ils ne m'ont pas encore tué psychologiquement et mentalement. Comme j'avais déjà dit, hein, Movie Star Planet, j'aime toujours autant ce jeu parce que c'est un jeu simple, parce que c'est un jeu où on se prend pas la tête. Et faire des petits trucs, hein, c'est pas vraiment un jeu, mais enfin voilà. Bon, j'ai encore de la thune dessus, donc j'aimerais bien quand même rester sur ce jeu et pas avoir payé pour rien. Qu'est-ce qui me dérange sur ce jeu? Déjà, c'est la communauté qui devient de plus en plus toxique. Je sais pas vous, beaucoup changé cette communauté. Tout le monde est méchant avec tout le monde se critique, tout le monde s'insulte. Il n'y a plus aucun commentaire positif, il n'y a que des méchancetés, des commentaires méchants. Et ça en devient désespérant, je vais vous donner des exemples. Donc là j'ai sorti des photos comme d'habitude, hein. Dès là moi-même je sors toujours des photos. Donc je sais pas si sur cette photo j'ai eu de la méchanceté. Là non je crois pas, enfin ça va, c'est pas foufou. Après les insultes, les grosses insultes je les supprime parce que pas une histoire de pas assumer l'insulte, c'est juste que c'est mesquin, c'est méchant en fait. On n'a pas envie de voir ça sur MSP en fait. Melo, tu viens encore? Oui. Quand une personne te dit ça fait peur, ok c'est pas méchant, mais en fait tu marques pas ça. T'aimes pas les photos, t'aimes pas ce que la personne elle poste. Ben tu regardes pas, tu traces ton chemin parce que ça peut blesser en fait. Tu connais pas le parcours des gens. Et Shrek t'appelle, il veut que tu leur donnes son... Par exemple, c'est des trucs comme ça. En fait quand on reçoit des trucs comme ça, c'est vraiment méchant. Au-delà de mes 23 ans, c'est encore... vexant. Et en fait, je me dis que c'est des espèces de 13-14 ans qui me disent des trucs comme ça. Mais en fait, avant, il y en avait des gens comme ça. Mais il y en avait beaucoup moins que maintenant. Maintenant, je poste un contenu. C'est une rafale de négativité sur mes posts. Même en privé, je peux recevoir des messages méchants. En tout cas, je garde les bons messages du genre Kinayo, qui me dit « Mais avec toutes ces années, tu es toujours aussi stylé. » D'ailleurs, je vais lui répondre, je vais dire... Merci beaucoup. Oui, je suis obligée de leur envoyer un petit message. Pourquoi toujours obligée de critiquer et d'être infecte? Et je lui explique qu'elle est immature, clairement. Bah en fait, c'est lourd. Je suis totalement d'accord avec toi, l'ambiance du jeu a clairement changé, c'est dommage. Les gens sont devenus désagréables. Mais oui, les gens sont devenus méchants. En fait, il faut être comme les autres, il faut rentrer dans le moule. Si tu rentres pas dans le moule du style des autres, tu es pas du tout respecté. Pourtant, c'est un jeu que je connais depuis déjà quelques années, je sais comment ça fonctionne. Toujours poster des photos dessus, je n'ai jamais eu de problème. Comme ça, si on remonte mes photos, parce que j'en poste énormément du coup, donc vous allez voir la différence de vue. Bon, pendant que je cherche... je pense également que je vais faire un tri d'amis. Donc si tu m'as en ami et que tu es toujours actif, envoie-moi juste un petit message en marquant actif ou je suis actif ou un cœur. J'ai beaucoup trop d'amis qui ne sont pas là, qui sont inactifs. Voilà, ça commence à monter. 59, 125, 165, 71, 109, 205, 200... Enfin voilà, après on est arrivé dans les 200. Donc en fait, les gens à ce moment-là savaient reconnaître le travail en fait du cosplay et étaient plutôt sympas. Ils étaient toujours là à commenter positivement, même s'il y avait des commentaires négatifs. Ils étaient toujours là à soutenir. Mais maintenant, on ne te soutient plus. Les gens cancer comme ça, ça ne devrait même pas avoir accès au PC. C'est... Non. Partez, en fait. Franchement, des fois, je me demande, les gens toxiques comme ça, mères vous ont accouché par les trous de nez. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ou alors, je sais pas, elle s'est trompée, il y a eu un problème dans le mode d'emploi, dans la fabrication, et vous avez totalement une case en moins. Enfin bref, voilà pour les photos. Donc voilà, il y a beaucoup de choses là qui ont changé. Ensuite, au niveau de l'activité, les gens ne sont plus du tout actifs en fait. Ils se connectent, mais ils sont pratiquement plus là en fait, ils parlent plus. Les salles de chat, je vais même pas en parler parce qu'elles sont vides. Mais il faut refaire connaître Movie Star Planet. Ils ont resté jusqu'à pas d'heure sur ce jeu, et là de voir qu'en fait ce jeu en train de mourir à petit feu. Et ça, c'est depuis que Movie Star Planet 2 est sorti. Planet 2, enfin, je peux même pas faire de compte dessus, je bug tout le temps. Ça marche pas. Ça se déconnecte tout le temps, je peux pas y jouer. Donc, pour les personnes qui sont plutôt sympas avec moi et qui sont restées, on va faire un concours d'activités sur la chaîne. J'ai un compte où j'ai énormément de choses. Donc, il me semble que c'est sur Melo Kimiko Stock. Et on va faire un concours Pixel ou Drip, comme vous voulez. Ou autre chose, hein, parce que du coup, j'ai pas mal de choses. Donc voilà, j'ai beaucoup de petites choses comme ça. Les pixels, vous savez, mon amour pour les pixels. Donc, on fera un concours et voir un petit peu qui est resté
et vous pouvez tous participer, bien sûr. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur le jeu. Espérons que le jeu revienne et soit plus agréable. Et sinon, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la barre d'infos. Donc bah sur ce, je vous fais de gros bisous et allons-y. Hein. Il faut rétablir Monster Planet, il faut que ça revienne en force. Et bah comme avant en fait. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous le monde.